Les élèves ont répondu timidement. Le démarrage des cours au 2 octobre. Voilà. En ce qui concerne la vague que je conduis, il y a 749 élèves attendus. Donc on devait recevoir 749 élèves. Et sur place, nous en avons 101. 101 sont venus cet après-midi. Au niveau du collège Kwame Nkrumah, attendu en sixième ce matin, il devait être 444. En cinquième, 374. En quatrième, 339. Et en troisième, 510. Soit un total d'élèves attendus de l'ordre de 1667. Au lycée Pointe-Noire 2, la rentrée scolaire est plus ou moins effective par rapport aux données de ce matin. Sur 2500 attendus, nous avons 1140 prises. Ça, c'est entre 7h et 8h. Et au fur et à mesure, les élèves ne font qu'arriver. Les élèves et les parents qui sont là. Bon, en ce qui concerne les parents, c'est ceux qui viennent pour vérifier le transfert de leurs enfants. Bon, on regrette cela. Il y a longtemps que nous avons reçu les transferts de la direction départementale de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Malheureusement, il y a certains parents qui ne se sont présentés qu'aujourd'hui. Et nous sommes en train de traiter le dossier. Ça s'est bien passé, on a débuté avec la philosophie. Je leur dis juste de venir à l'école parce que l'école a déjà débuté, donc il faut commencer le cours pour ne pas être en retard pour l'avancement des cours. Oui, il y avait beaucoup de gens. Notre emploi du temps aujourd'hui, tous les professeurs étaient là, on a fait cours aussi.